C'est le retour des vlogs les frères. Putain de vlog les gars, Ascension Marseille, ça va péter les frères. Moi je joue là la team, et là par contre c'est mon IGL de rêve les frères. Le maxi Clem, Clem qui se fait atomiser, hein. 38-26. Clem, et là il y a mon deuxième IGL de rêve, le Snaze, qui est en train d'atomiser. Hein. C'est ça là, non? La map jump il connaît. Non, j'ai Ascension. Il a sorti la petite gare. Je passe en mode vlogueur, tu vois, on a rien à faire, je me suis trouvé un petit métier. Les gars, ça c'est mon gars ça. Bon, il est un peu nul à la manette en vrai, il fait chauffer des fois, mais. Je pars que toi aussi, allô. Et là. Ah merde, top 4 cash cup en putain. C'est top 4 cash cup, hein, tu sais. Tu ressentis en vrai, je t'ai pas interviewé, t'as pas fait l'interview. On a vu que tu pouvais gagner un top 4 cash cup avec Coax. Il y a une game qui n'était pas entre les mains et qui a perdu. Malheureusement. J'ai vu sur live, j'ai kiffé en tout cas. Il a coûté la win, bah c'est le code de Pedin, hein, tout simplement. Et la dernière game aussi sur live, hein, pas mal. La game aussi sur live, 600 above zone 5. Ok. Donc bien évidemment, grâce à qui? Tu veux nous faire un petit. Est-ce qu'on pourrait voir les petits dégâts, mon Pedin? Des petits dégâts? Ça m'intéresse de voir des petits dégâts contre un petit Kovac. Ah, malheureusement, je vais pas compter, bon. Mais vous pouvez aller voir. En gros, il a fait chauffer. En gros, simple, il a fait chauffer. Non, j'ai plus de gars. Non, mais t'as fait chauffer, on peut se le dire. Ah, regarde, tu fais chauffer. Ouais, je m'étais chez toi en fait. Mais c'est Talan. La vie de ma mère, elle est trop bon. Moi, les gars, je me suis train depuis tout à l'heure, je me suis setup de fou. Le problème, c'est que l'écran il est un peu proche. Hein. Mais bien sûr, je fais un vlog, mon gars. Oh putain, la tête énorme qui dépasse. Je veux dire, les gars, nous, on est alignés devant, on est premier rang. Et derrière moi, il y a Vox qui va me streamer avec la putain de météo. Enculé. Les gars, écran un peu trop proche, mais en vrai, ça va. C'est-à-dire qu'il faut que je joue de loin. Et on s'est warm up tout à l'heure. Petite map jump, 5-28, 5-25. Vous connaissez mon pote. On va se la win celle-là. La TEDUM, en fait j'ai fait 5-25 mais j'étais à la fin. J'étais à la fin et après je me suis fail mais. On a fait 5-28 tous les deux. On a fait 5-28 tous les deux mais moi je devais se valider un 5-25, je me suis fail. Ça c'est la réelle story. Et du coup ça commence demain là. On va faire les petites photos. Je sais pas quand. Ça fait une heure on attend, ça fait trop chier mon pote. Dans la salle de baiser mon pote. Moi je joue là moi. Et là c'est le Wicas là, truc. En détente hein. Ça va jouer devant du monde. Les gars on vient pour tout péter, je vous dis. On vient pour tout péter. Là la jump on l'a anéanti en deux. Encore une fois anéanti, il est trop fort le boucher. Encore une fois 5-25, 5-28, 5-25. Après malheureusement, on est dans malheureusement demain je vais devoir taper son cul à raft. Mais voilà. On avait dit qu'on... Ah merde. Ouais j'arrête de faire chauffer en... Non on avait rien dit du tout les gars. Vas-y. On va tout péter, on se retrouve en finale. On va pas jouer la cash cup trio mais par contre on va envoyer. Ouais, par contre je suis obligé de gagner donc je te laisse la deuxième place tu vois. Et les frères. Et les frères. On se retrouve avec mon head of form avec les gars, c'est patron. Comment allez-vous patron? Ben, ça va. Avoir des petites réponses, est-ce que je vais te replonger sur cela? C'est dans les petits papiers. Ouais. Dans les petits papiers? Après ça dépend de toi aussi. Oui ça dépend de moi. Dis-lui qu'il est toujours pas, il est pas arrivé au jump dur. Il est parti. Alors les gars, ce mec il vient de choc deux fois juste avant le jump dur. T'as vu là où t'es tombé? Bah c'est là le jump dur. T'as vu là? Ah c'est chaud de baiser. C'est chaud de baiser. Les gars le snake il arrive pas à finir la map, il fait de la peine. Je le coach, je donne tout, je lui dis saute à droite, à gauche, il comprend rien. Je peux pas. On vient de finir les vidéos et tout, on va se taille. Et les clems qui crabent toujours, hein. La tête d'homme ils font chauffer les gars. Toujours à fond dedans. On va se taille les gars, on va aller voir l'hôtel et tout, manger. Demain on envoie tout. Lui il va finir dernier encore comme d'hab. Ça va quoi les frères, tranquille? C'est mon tchétchène les gars. Finir dernier je pense pas. J'ai petit prono de la lane mon frère. Petit prono? Demain je finis la map en 7 minutes et quelques je pense. Mm-hmm. Tranquillement. Parce que vous êtes là, vous me bannez, ouais je fais pas la map et tout. Je vais la finir tranquille. Build no build. T'es bien mignon sur la météo mais je vais pas te la laisser faux. Ah tu vas me greffer à la météo? Je vais te greffer à la météo. Ok. Bon en gros les gars je vous résume. Il va jamais venir à la météo, il va se chier dessus et de deux il va jamais finir à map jump, il va être trop nul. Allez salut frérot. Bon les frères je suis arrivé à l'hôtel. Je suis KO. Vraie bête de chambre en vrai je vais vous montrer hein. T'es d'homme bête de chambre. Alors on rentre les gars, tranquille petit lit, vous connaissez. Bam. Tranquille, petite télé en légende, petite cuisine, c'est un appart ici. Petite toilette, comme ça, petite douche. En léger, petit balcon aussi, même on a même un petit balcon. Là, t'es dans on a un petit balcon. Il fait chauffer le balcon, mais t'as capté quoi. Petit balcon en bien. Les gars, on vient de rentrer là, on a passé toute la journée. J'ai passé toute la journée dans les transports. On a fait tous les réglages à la LAN et tout. Je suis KO de baiser. On va sûrement sortir, aller manger un petit resto et tout. Et puis voilà, après on va rentrer, on va dormir. Et demain, les gars, il y a la LAN. En légende, je vais essayer de filmer quelques trucs demain, mais ça va être chaud. Vu que bah, c'est le tournoi. Et voilà. J'espère que vous allez kiffer le vlog en tout cas, les gars. Ça fait longtemps, c'est le retour. Je pense que vous allez kiffer. Et puis voilà les gars, on se pète demain. Là, je pense pas que je vais prendre ma cam ce soir, Big Flair. Et voilà. Vas-y les frères.
Wesh la team, bien collègue, vous allez bien? Je viens de me réveiller de malade. Aujourd'hui jour de l'âne, jour de putain de compète. Là on va aller, il est 9h20 les gars, on va aller déjeuner avec le Big Clem parce qu'il est dans mon hôtel, on est qu'à deux. Ah t'as bien, on est qu'à deux les gars. Donc on va aller déjeuner. L'âne elle commence à 14h, on doit être là-bas à 10h. Et voilà, il va falloir arracher les gars, il y a une heure de but, une heure de no bull, de 30 minutes de zone noire et 30 minutes de jump. En espérant bien faire. Hier à la jump j'ai envoyé sa mère, donc je suis plutôt confiant. Après les gars, le problème c'est que l'écran, comme je vous l'ai montré hier, il est trop proche, ça veut dire que je vais jouer loin. Mais vas-y. Ces conditions là les gars on connaît déjà de toute façon. On va essayer de se qualifier en finale. En plus la cash cup du coup elle a été décalée à 15h. Du coup là on peut pas la jouer, c'est mort à 100%. Du coup là faut absolument pas de choc, sinon ça sera bien fait baiser quand même. Bon ok voilà, là on va aller prendre le petit déj. J'essaie de vous filmer un peu ce qu'on mange et tout à l'hôtel. Et voilà, on se pète au petit déj les gars ou à la LAN. Vas-y les frères. Prends les jambes, deux muffins de chiasse mon pote. Vanille, je sais pas quoi. Croissant de chiasse et lait chaud. Ah ça fait chauffer, la tête d'homme. On commence pas à nous foutre la honte hein. Il va nous foutre la honte. Oh il a gagné. Nice mon frère, c'était lui. Les gars on fait des games de test là. La tête de homme, je me fais 50-50 par C2, il y a un pompe, j'ai une PM. Je suis dégoûté de baiser. Un V1 Smizipoda les gars, la tête de homme. Et un V1, et là c'est un V1. Un V1. Et là c'est un V1. Il a votre piste size, il a votre piste. Entre les gentlemen. Ouloulou, qui va gagner? Le fight des rêves. Il a quoi masse? Oh il est trop bien. Ouais, il va gagner. Ah, il est long le fight hein. Ah, il est long de vlog les gars là. Putain, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Oh aïe 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 aïe. Et pour d'affaires sur Snazy. Snazy qui s'est fait défier. Qu'est-ce qu'il s'est fait envoyer? Il a envoyé le trou de balle. Attention. Ah mais c'est pour ça en fait qu'il a gagné. Il a mis les lunettes jaunes. Les lunettes jaunes. Il a mis les lunettes jaunes en l'âne. Il a un petit bruit hein, là il a. La tête de homme. Les gars, il y a Kiri le frère. Les gars, regardez-moi la bête. It's my vlog. Vlog is gay. You told me before. Ça ouf les gars. Pour les répétitions là les gars, ils sont chauds. Ça fait les répétitions de malade mon box. Les gars, c'est l'heure. Oh putain, là on va aller manger les gars, on doit nettoyer les setups. Donc je pense que la cam, je vais pas la prendre. Ça va arrêter le vlog un petit coup les frères. Je peux pas trop prendre la cam. On va rentrer, moi je rentre avec Arskim. Deux par deux les gars, on rencontre au Solari. Et après ça commence hein, on fait trois gays, on fait une game de bulle, une game de no bulle. D'après on a la jump. Après petite pause. Et après ça part les gars. On est chaud là, je me suis bien échauffé. On a même fait la map box fight pour la finale. On verra comment ça se passe. Maintenant on doit envoyer. Hein. Donc là les gars, je vous reprendrai du coup bah, après l'event. Je mettrai des extraits et tout les gars pour le vlog et tout. Je mettrai des extraits du live je pense. Et voilà, on se reprend après en espérant avoir win. Ça fait plaisir les frères. Vas-y. Je crois qu'il va être temps de les accueillir parce que vous le savez, pas de grande compétition sans grands joueurs. Et oui. Et je vais vous demander de leur faire du bruit et un tonnerre d'applaudissements, un immense accueil pour les joueurs de l'Ascension. C'est eux les stars aujourd'hui. Ils s'y sont préparés depuis des semaines, même des mois pour certains. Et aujourd'hui, ils peuvent marquer d'une manière très très stricte leur carrière avec une victoire ici à l'Ascension devant le public de Marseille. Ouais, ils sont 60 hein. C'est colossal et à la fin, il n'en restera qu'un seul. Il y a de tout, hein. Il y a des rires, il y a un peu de stress, effectivement. Il y en a, tu l'as dit, c'est leur premier événement. Il y en a des très jeunes, des un peu moins jeunes, des habitués de la scène Fortnite. Exactement, là je vois des maillots Solari, forcément eux c'est des habitués de la scène, des habitués de la hype. Et donc forcément ça devrait moins jouer sur leur niveau. Mais tu l'as dit, hein, voilà Clément aussi, pareil, un joueur très expérimenté que vous allez avoir au premier rang. Donc on a Snazy, effectivement, il n'y a pas que lui, bien sûr. Hein. On en a d'autres, notamment Floki. Bien sûr, joueur Solari. De Solari qu'on a vu s'illustrer notamment sur les qualifs. Bien sûr, ok. Ouais, donc le but là pour lui c'est d'endormir un peu la partie, de les laisser en bas s'affronter, quitte ramasser. Si on peut ramasser, on ramasse, mais c'est pas lui qui a eu le kill, c'est donc Floki qui confirme sur Mator. Floki justement dans le lit, dans la ligne d'Atli. Ils sont plus que trois. Datli. Floki et Datli. Et on a quelqu'un qui est dans la zone. Oui. Si là, il est à l'intérieur de la zone, il est en train de revenir.
Il est en train de revenir, mais les deux sont à l'intérieur de la zone. Alors Dadlix, lui, est en l'air. Il est bien. Scylla vient de mourir de la zone. Floki est encore dedans. Dadlix, lui, pour l'instant, il est bien. Mais si, attention, Anne se resserre la zone. Qui ça va l'emporter? Qui va l'emporter? C'est très difficile à dire, même s'il y a avantage pour Dadlix, mais. Ouais, il a pris moins de dégâts de zone. Floki, regarde la vie. Regarde la vie de Floki. Ouais, il était malin, Dadlix. C'est l'état de siège qui commence. Allez, Dadlix. Il a été malin, Dadlix. Il a été très malin, Dadlix. Il meurt, malheureusement. Effectivement, 38 points. T'es deuxième à un point 37, de la première place. 37 Akira, c'est vrai que c'est colossal. Avec un Scylla 30 points et un Floki qui a plongé en 7ème place. Et 13ème, et voilà. Pour encore passer. Voilà le classement général. Et Podasai est en train de dominer, mesdames et messieurs. Floki 11ème, Kaizen 12ème, Bad Sniper 14ème. Alors évidemment, début de game à Raft, tranquille hein, pour Floki, comme d'hab, vous l'avez vu. Il a quand même récupéré son petit médaillon, le petit trio, tranquillement. Ouais. Ouais. Après, on sait pas ce qui s'est passé, bien sûr. Voilà, Floki contre Seiton. Oh, Floki, ça sort d'où? Seiton à 7 points de vie, il lui est resté 7 points de vie. 7 points de vie plus la régène, effectivement, Floki. 11ème au classement général. Floki, ça fait partie des gens qui ont vraiment beaucoup besoin de points. Oui, bah écoute, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On a Only Push qui vient d'éliminer Leizen, qui lui avait fait une très bonne perf. Akira, qui a été tombé par Floki. Encore une fois, Floki qui fait une très bonne game. Floki, hein. Oh, Floki, dans la tourmente, il a HP. Allez. Un seul point de vie pour Floki, il est en train de monter. Pour l'instant, il a réussi à s'en sortir. Oh, Floki. Ah ouais, là, il a fait. Il s'en est bien sorti pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que c'est le médaillon advantage? Je sais pas, mais en tout cas, Floki. Il est là. Le classement final. Mais je jure, Floki. Podasai, Karma, Trix, Seikos, Matos, Dadlix, Ihead et Floki. Et Floki qui passe avec une égalité 8-9. Je pense qu'on va pouvoir accueillir les joueurs un par un. De qui s'agit-il? C'est qui notre premier joueur de rugby? Eh ben, il est 8ème, tout pile, ça y est, il a réussi à récupérer sa place au dernier moment. On a beaucoup parlé de lui aujourd'hui, forcément. Il porte le maillot d'une structure quand même populaire en France. On parle de Solari. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Floki! Eh oui! Il est là! Viens, je t'en prie. A-t-il fait le plus dur ou est-ce que le plus dur est à venir? Floki, toujours, pas stressé, on te sent serein, on te sent concentré. Alors, on sait pas si c'est une carapace, mais déjà, comment tu te sens et comment s'est passée cette première phase pour toi qui était, à mon avis, très stressante? Bah, ça va, je m'attendais pas à être qual, parce que je pensais qu'il fallait que je win la dernière game en build. Et du coup, je pensais pas être qual et au final, je finis top 8 ex-aequo. Donc, on va essayer de bien jouer pour la finale. Hein. Est-ce que t'as eu des moments de frustration sur la phase 1 ou bon, tout s'est à peu près pas passé comme prévu? Parce que j'imagine que toi, te voyais qualifié de base. À un moment, t'as perdu cet objectif de vue. Finalement, par réussite, tu passes. Ça a été quoi qui t'a mis en galère aujourd'hui? No build, j'ai galéré. Et jump, j'ai fait 6ème, je crois, en jump. Et j'ai fini la map en 6-14. Ouais. Et c'est parce que de base, je faisais 5-30 que j'aurais pu avoir, mais c'est là où j'ai un peu le seum. Et la no build, du coup. C'est quoi tes expériences face à un public que t'as eu dans ton expérience Fortnite? Parce que t'es quand même un joueur qui commence à avoir de l'ancienneté, on peut le dire aujourd'hui. T'es pas de la première vague Solari, mais pas de la dernière non plus. C'est quoi tes events physiques, tes souvenirs que t'as autres que là, l'ascension à Marseille? La seule LAN que j'ai fait avec du public, c'était la Red Bull LAN. C'était en solo et c'était à Copenhague. Non, je me rappelle plus où c'était, mais c'était pas en France, quoi. Ouais, donc là, en fait, c'est quasiment ta première vraie ambiance avec du public français. Et tu vois, c'est ce que je te disais, Zerator, hein, pour une scène qui a commence à avoir plusieurs années, on a raté un truc. Mais bon, ils ont pas eu de chance, c'est la génération Covid, forcément. Bon, hey, Floki, on va te laisser aller t'installer. Bon courage. Bon courage. À toi de jouer. À Bonne toi chance. De jouer. Clairement, de toute façon, je pense que tout le monde adapte la stratégie par rapport à ce qu'ils ont pu voir précédemment. Floki, Podasai 1v1 depuis tout à l'heure, il se joue sur la hauteur. Fallait bien que ça parte en cacahuète et c'est Floki qui se retrouve gagnant, qui a réussi à surprendre sur le positionnement. Gucciman qui a tombé Trix. Floki qui du coup a tout claqué, hein, mais... Oui. Floki c'est terminé. Par Dadlix qui est à l'autre bout de la map et qui a pourtant réussi à trouver quelques balles. Oh, Floki qui a eu la chance là-dessus. Il a évité des balles sans le savoir de Dadlix qui s'est mis très bien en port de zone comme ça. Ça aussi c'est une stratégie. Mal, hein. A beaucoup payé. Alors le problème c'est qu'après il faut retourner au centre. Exactement. Et bon, je pense. C'est le problème. Ça surprend sur les lignes de tir. Bien joué Floki. Oh là là. Très bien joué. Hein. Il a venu ramasser Sheikos qui avait déjà été bossé par Dadlix. Incroyable. Et Floki qui essaye encore de remonter. Mais ça y est, les gens commencent à lui faire tomber la tour. Je sais pas si t'as vu, il est déjà tombé tout à l'heure. Et il était déjà tombé dans la game d'avant. Donc là, forcément, c'est un peu plus difficile pour Floki de prendre des hauteurs, même s'il a l'air d'être installé. Et Floki de son côté. Lui aussi a perdu beaucoup de points de shield. Ouais, il est pareil. Il est dans la même situation. Beaucoup de joueurs dans la même situation. On a juste Karma, Trix et Shaitos, je crois, qui ont perdu un peu de points de vie. Et Trix qui a en plus commencé à tanker. Oh là là. Wow. Et bah dis donc, Floki. Ah. Oh non. Oh, Floki qui s'est fait avoir tout de suite. Par Gucciman. La campouse. Et oui, qui est... La campouse.
Rouge. Classement général. Classement à jour, classement pour l'instant, général. Pour l'instant, avec donc iHand qui est Gucci Man. Oui. Suivi de Trix, Mator, Podasai, Datlix, Snakeos, Floki et Karma. Mais là, dites-vous bien que même si vous voyez qu'il y a une quarantaine de points d'écart, trentaine de points d'écart même avec Trix et iHand, bah c'est une map sur laquelle on va pouvoir faire plus de 100 points, encore une fois. Attention, ça peut aller très vite pour lui également. Oh Karma, il s'est fait détruire instantanément par Floki, qui a commencé à jouer très fort. Et on l'avait dit, hein, Floki souvent voilà, qui prend des opportunités, qui se met en hauteur et qui d'un coup saute sur ses proies pour les dévorer. Alors que Floki lui continue d'extendre hein, sur la zone. Des espaces douces, Scar entre les mains. Floki, alors qu'on a Gucci Man très malin une fois de plus, qui vient prendre le fight oh au dernier là, moment, Gucci mais Man, Floki il s'est quand même fait avoir par Floki qui fait une très grosse game. Très très grosse game de Floki. Il reste quand même Datlix qui est un gros morceau. Il est au-dessus effectivement, il a de quoi se soigner Floki, mais pas tant que ça. Et Datlix a l'avantage de la hauteur. Ah mais Datlix a quasiment rien pour se soigner. Donc c'est quand même pas forcément perdu, ils vont devoir aller au combat les deux. Ils ont envie en tout cas d'y aller. Et on a la zone qui va commencer à tabasser un petit peu tout le monde. Voilà, Floki qui essaie de monter, il a du shield, il connaît pas trop l'état du stuff de son adversaire, évidemment, mais il s'est fait sauter dessus. Et Datlix, eh bien, détruira Floki sur cette fin de game. On a le classement qui s'affiche, Dwagby sur les côtés. Ah, on a Podasai deuxième avec 10 points d'écart, 162, Trix à 143, Sheiko 140, Datlix 139, Mator oh, 135. Karma 115, Floki 94, vous pouvez tous les applaudir bravo quand même tous, bravo à tous. Ils nous ont fait... de fou. Ah, ils nous ont fait un spectacle absolument incroyable. Jusqu'au top 6, c'est serré de fou. C'était serré de fou, j'avais dit, hein, il fallait se méfier de cette dernière épreuve, mais à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant. Ouais, les frères, fin de la LAN. Donc, vous allez sûrement avoir des extraits, les frères, de la LAN, donc des games et tout. Là, je viens de me réveiller du coup le lendemain, parce que j'ai pas pu filmer hier, parce que même quand je me suis qualifié, j'avais pas ma caméra et tout, parce qu'on a dû nettoyer les setups. Du coup, mon sac, je l'avais pas du tout avec moi, j'ai pas pu prendre ma cam. Même après, quand j'ai fini, pas pris ma cam et tout. J'ai même pas pensé, je vous mens pas. Et voilà, donc, du coup, bah, je vous fais un petit débrief maintenant. Les frères, on a été en finale, donc ça va quand même assez bien. J'ai fait 8ème ex aequo, je pensais même pas être quoi, parce que j'avais fait vraiment de la merde en obus, les mêmes mal jump, j'ai pas fait un truc de ouf. Mais au final, c'est passé 8ème, et qu'à la tête d'homme, quand je me suis qualif, tu sais, je vais prendre aller derrière les backstage. Un petit, tu sais, il y a une scène, il y a un petit, je vois à peine ses cheveux. Et du coup, il me dit, ouais, ma Floki vient faire une photo. Du coup, bah, moi, je descends, la tête de ouf. Les gars, j'ai cru que j'étais inox taille. La vie de ma mère, il y a au moins 100, 150 personnes. Ils sont venus tous autour de moi. Ils m'ont tous demandé des photos et tout. Du coup, je les ai toutes faites. Jusqu'à qu'il y a un mec de la sang qui m'a dit de remonter et tout. La tête d'homme, les gars, il y avait un monde. J'ai pris je sais pas combien de photos. C'était énervant. C'est la première fois que ça m'arrive parce qu'on m'a souvent reconnu et tout. Mais là, les gars, d'habitude, qu'on me reconnaît, tu sais, il y a une, deux personnes, trois max. C'était énervant en vrai, les gars. Et du coup, pour la finale, j'ai fini dernier de la finale. J'ai gagné 732 €. Je sais pas, j'ai mal joué en vrai, simplement j'ai mal joué, y a pas d'excuse. J'ai vraiment mal joué, les modes, je sais pas, j'arrivais vraiment pas, hein, j'arrivais pas à m'adapter, j'étais pas en forme quoi. Du coup dernier, un peu déçu quand même du résultat, mais bon, en vrai j'ai pris 750 € au calif, j'ai pris 730 € là encore. Expérience de baiser, bête de l'âne en vrai, franchement, big up, un Zerator Dwagby, même la production et tout les gars, c'était énervé, c'était super bien organisé. Et même la scène et tout, c'était fou, même le public les gars, hein. C'est abusé, c'est la première fois que je jouais devant autant de public, parce que à la Red Bull là, il y avait pas autant de public, il y avait 200 personnes je crois. Là, il y avait au moins 2000, c'était abusé, non franchement bête d'événement. Je suis bien content, j'avais peut-être pas envie d'y aller au début parce qu'il y avait la Trio Cash Cup, bah je suis bien content d'être y allé. Même on a en vrai tous les joueurs, tout le monde et tous les gars, c'était grave cool de revoir tout le monde. Franchement c'était énervé. J'espère que le vlog les gars vous a plu. Je sais pas si il durera longtemps parce que comme je vous ai dit, il y a plein de passages que j'ai pas pu filmer. Et voilà, j'essaie de faire un petit truc pour le retour des vlogs. Les gars, les vlogs reviennent tout le temps maintenant quand je pars en truc, ça y est, j'ai la déterre. Avant je partais, je disais ouais je vlog, mais au final je vloguais pas. Bah maintenant ça repart. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Je pense que vous avez kiffé aussi le live et que je vous ai fait kiffer en finissant 8ème. Malheureusement la finale, on connaît le résultat. Et voilà. C'était le vlog les gars, merci. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous avez kiffé le vlog et si vous voulez plus de vlogs. Et on se pète les gars, nouvelle vidéo Cash Cup ou prochain vlog. Vas-y les frères.